Thank you.
Oui, très belle parce que c'était la victoire qui était vraiment arrachée très très difficilement contre une équipe des Calais qui était très très bonne. On a quand même pris les matchs de notre côté en première mi-temps, on a bien joué en première mi-temps. Par contre, au début de deuxième, on est descendu trop bas, ils ont commencé à jouer direct et puis de toute façon, on attendait juste à prendre les buts. Là, à nouveau, on a commencé à jouer et puis ça payait par un beau but de Brian. Enfin, on est tous contents parce qu'on a perdu les matchs la semaine dernière avec une dizaine d'occasions ratées. Là, aujourd'hui, on a bien récupéré déjà les points, on a bien récupéré un peu nos forces pour le prochain match à Dieppe qui nous attend. Et je souligne encore, c'était vraiment un gros travail des joueurs parce que c'était très très difficile de jouer ici. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui gagneront comme nous ici. Oui, alors effectivement ce soir c'est une belle victoire. Après notre défaite de la semaine dernière, il nous fallait rebondir et on savait qu'on serait attendu ici, qu'on serait défié physiquement, on s'y attendait. On s'attendait à un match difficile dans un stade absolument superbe. On a répondu par de la présence, de la qualité, de la détermination. Je pense que ce soir, on mérite amplement ces 4 points. Et puis voilà, c'est la meilleure des manières et des façons de préparer le match la semaine prochaine chez le leader à Dieppe. En tout cas, je tiens à féliciter tout le groupe parce que c'est un groupe qui a fait ce soir preuve encore de beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité. C'est ce qu'on leur avait demandé à l'orée de ce match. Ils l'ont fait, ils ont fait le boulot. Et puis voilà, je pense que ce soir c'est une belle victoire, en tout cas qui efface en partie la défaite de la semaine dernière. Voilà. Oui, un match sérieux de notre part. Je pense qu'on l'a bien abordé et puis on a su rester solide, même une fois qu'ils sont revenus au score. Donc du coup, voilà, on a réussi à l'emporter sur un coup franc. Et puis derrière, on est resté discipliné, rigoureux et dans l'état d'esprit. Donc c'est une très bonne victoire après le revers de la semaine passée contre Grande-Synthe. Ouais, c'est vrai qu'on a su réagir tout de suite face à Calais. Calais, c'est vrai que c'est une grosse équipe, surtout chez eux, à domicile. Voilà, le coach il avait fixé des objectifs. On a commencé par Calais. Donc venir gagner ici, c'est vrai que c'était important pour la suite du championnat. On a été solide défensivement, c'était une équipe très engagée qui allait au charbon. On a eu le mérite de pouvoir mettre le premier but. Ensuite, ils sont revenus, ils ont égalisé, quoi. Et juste derrière, on met un super coup franc. On arrache la victoire à 10 minutes de la fin, donc ça me semblait important psychologiquement et aussi pour la suite du championnat, sachant qu'on va aller. On va aller à Dieppe. Dieppe qui fait une grosse début de saison. Donc on va essayer d'aller faire un résultat là-bas, au minimum aller chercher, je pense, le match nul. Puis on verra pour la suite du championnat, déjà on verra pour Dieppe. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on a fait un gros match. On a été sérieux. Du début à la fin, on est tombé face à une grosse équipe de Calais. Maintenant, on a été costaud, solidaire. Je pense que c'est ce qui a fait la différence, on n'a jamais douté. Ouais, c'est clair, on va aller là-bas à Dieppe avec la confiance et puis aussi avec l'envie de faire un gros match. Après, maintenant, je pense qu'on a la qualité pour les embêter un petit peu.